こんにちは、c'est Machiko de blog Apprendre le japonais, depuis le Japon. Défi de 30 jours, vidéo 22, vidéo 22 des. Aujourd'hui, comptez en japonais. Comptez selon les objets, selon les êtres vivants. 今日は助数詞を使って数えてみましょう。Point culturel. Au Japon, quand on compte, on utilise différents mots selon les objets, selon les êtres vivants. Il y en a à peu près 500, dont 120 environ que les Japonais utilisent dans la vie quotidienne. 日本語では数えるものによって数え方が変わります。Aujourd'hui, nous allons voir 5 façons de compter. 今日は5つの数え方を見てみましょう。D'abord, nous allons compter jusqu'à 10 normalement. Et まず10まで普通に数えてみましょう。On commence. 始めましょう。1、2、3、4、4、5、6、7、7、8、9、9、10。Maintenant, nous allons compter selon les objets. 今から物によって数え方を変えてみましょう。D'abord, 小さいもの。Les objets petits. Comme un morceau de sucre. 砂糖. Comme une gomme. 消しゴム. On compte avec ko. 1個2個3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個、on dit aussi 10個。Maintenant, une petite phrase. ここに消しゴムが1個あります。Il y a une gomme ici. Maintenant, 長いもの。Les objets longs.Comme une bouteille, bin, une bouteille de vin, une bouteille de l'eau. Et comme un crayon, empit. On compte avec pon, ou hon, ou bon. Ippon, nihon, sanbon, yonhon, gohon, loppon, nanahon.8本, 9本, 10本, on dit aussi 10本. Maintenant, une petite phrase. ここに鉛筆が1本あります。Il y a un crayon ici. Ensuite, 薄いもの. Les objets fins et minces, comme du papier, 紙, comme une serviette.Taol. On compte avec mai. 1 mai, 2 mai, 3 mai, 4 mai, 5 mai, 6 mai, 7 mai, 8 mai, 9 mai, 10 mai. Maintenant, une petite phrase. 私はタオルが1枚必要です。J'ai besoin d'une serviette. Ensuite, cup ya, coupe に入った飲み物. Du liquide contenu dans des tasses ou verres. Comme une tasse de café, cup に入ったコーヒー, comme un verre d'eau, et coupe に入った水.コップに入った水。On compte avec パイ。はい。うん、バイ。一杯、二杯、三杯、四杯、五杯、六杯、七杯、八杯、九杯、十杯。On dit aussi 10杯。Maintenant, une petite phrase. すみません、水をいっぱいください。
un verre d'eau, s'il vous plaît. Ensuite, Jumban. L'ordre. Comme l'exercice numéro 1, numéro 2, numéro 3. L'instrumental Ichi Ban, Ni Ban, San Ban. On compte avec Ban. Ichi Ban, Ni Ban, San Ban, Yon Ban, Go Ban, Lok Ban, Nana Ban, Hachi Ban, Kyu Ban, Ju Ban. Voilà pour aujourd'hui, kyowa kokomade desu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Demain, on va continuer. それではまた明日。さようなら、またね。